territoire transfrontalier Togo-Burkina s'étend à l'est du Burkina Faso et au nord du Togo. Parcourue de larges savanes, c'est une zone historiquement pastorale et un lieu privilégié de passage pour les transhumants. Depuis quelques années, ce territoire connaît un développement déséquilibré. À l'ouest, la croissance démographique élevée et le développement du commerce le long de la route internationale entraînent l'extension des villages et des terres agricoles aux dépens des espaces naturels et des parcours de transhumance. Ces derniers, également limités par des forêts classées dans l'extrême est du territoire, se sont sensiblement réduits. Au déséquilibre entre l'ouest et l'est, qui souffre d'un manque d'infrastructures de santé et d'éducation, s'ajoute un fort climat d'insécurité avec des attaques armées récurrentes au Burkina Faso, parfois tout près de la frontière. Ces déséquilibres et ces tensions interrogent sur l'avenir du territoire et celui de la transhumance. Idéal. Le territoire connaît une nature luxuriante. La population vit en harmonie avec les ressources naturelles qui sont bien conservées et exploitées avec des pratiques durables. Les éleveurs transhumants et les agriculteurs collaborent. Des infrastructures pastorales sont mises en place, comme des abreuvoirs, des forages, des couloirs de transhumance, et des échanges commerciaux importants ont lieu de part et d'autre de la frontière dans un contexte pacifié. Oasis du désert. Le territoire s'est fortement aridifié. L'élevage pastoral est devenu l'activité principale et structure la vie du territoire. Une gouvernance décentralisée et une bonne coopération transfrontalière permet le développement de nombreuses infrastructures pastorales, comme des marchés à bétail, des infrastructures de stockage d'aliments, de produits vétérinaires. La mobilité du bétail vers les points d'oasis est ainsi facilitée dans un climat sécurisé. Les agriculteurs ont de nombreux échanges avec les éleveurs et pratiquent une agriculture de subsistance avec des techniques adaptées au Sahel, comme le zaï, la demi-lune. L'apport diversifié de la transhumance sur les différents maillons de l'économie, agriculture, commerce, fiscalité, a contribué à une réduction de la pauvreté sur le territoire. Espoir mitigé. Le territoire est marqué par une forte pression des activités agricoles sur les écosystèmes naturels, entraînant un déséquilibre écologique. Une minorité de la population exploite et tire profit des ressources minières au mépris des règles environnementales. Cependant, malgré un pouvoir central totalitaire et un manque de services sociaux de base, une coopération transfrontalière dynamique et performante se développe. Elles permettent une transhumance apaisée, basée sur une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs, et sur des échanges commerciaux fructueux de part et d'autre de la frontière. Crise du terroir. Le territoire est dominé par des extrémistes qui maintiennent une situation de guerre entre les communautés. La réduction drastique des écosystèmes naturels et l'empoisonnement des eaux a décimé le bétail des transhumants. La mortalité humaine est elle aussi élevée, entraînant une forte décroissance démographique. Un mur sépare le Togo et le Burkina et empêche les échanges entre les deux pays. Les ressources minières sont exploitées de manière anarchique, avec une multiplication des sites artisanaux dans des conditions de travail lamentables. La transhumance malgré tout. Dans le territoire, il n'y a aucune collaboration de part et d'autre de la frontière. L'État central prend toutes les décisions. Une forte pression des activités agricoles et pastorales entraîne une importante réduction des ressources naturelles. La transhumance devient alors une activité essentielle pour nourrir les populations et animer les échanges commerciaux. Pourtant, les transhumants sont perçus comme des étrangers et des malfaiteurs. Tout
tous les scénarios que nous avons vus peuvent se produire. C'est maintenant à nous de travailler ensemble pour faire des propositions concrètes à nos décideurs. C'est dans une approche globale du territoire que nous pourrons aller vers le développement transfrontalier et atteindre l'objectif d'une gouvernance territoriale efficiente pour vivre en harmonie. À nous de tracer les chemins qui mènent au futur que nous voulons. Son.